Bonjour, Goutel, Goutanabal. Eh bien, nous allons procéder à la visite guidée de ce musée, la visite commentée par moi-même, qui devrait durer, je ne sais pas trop, ça dépend un petit peu si je retrouve la sortie, la cour. Ouais, mais on n'y va pas. Comment ça ne va pas? Non, parce que je viens de passer la serpillière, là, c'est mouillé. Bon, alors écoutez, demi-tour, demi-couronne, half-tour. Allez, hop. Nous allons nous intéresser à ces... Mais ça va, ça suffit, laissez-nous tranquille. Un mètre de distance, merci. Eh bien, dans les vestiges de l'ancien empire, on s'est servi dans les thermes, dans les amphithéâtres. Mais aussi dans les stèles mortuaires qui ornaient. Ici, on avait fait des travaux, le mur est tombé et on a découvert une salle secrète. Quand on regarde en haut, on s'aperçoit que c'était les toilettes des archevêques. Je pleure. Donc en fait, on est dans la fosse sceptique. On m'a dit. Oui, alors il y a écrit à Épicius Sabinus. Vétéran de la 22e Légion, signé Tchécodia. Comment vous savez ça? Vous parlez de latin? Non, mais ça fait 30 ans que je travaille ici, alors j'ai entendu ça à une fois. La statue de la liberté qui a été sculptée par le même artiste? Bartholdi. Non, pas Bartholdi. Ben si, c'est écrit dessus. Hein. Oui, c'est écrit dessus. C'est Bartholdi, effectivement, c'est Bartholdi. En plus, on voit les os sous la peau, comme ça. À l'époque, ça faisait battre. On croyait qu'il avait fait un moule du modèle. Comme si c'était un truc cher pour l'homme. Seigneur Tachi, Seigneur Tos, cette visite est terminée. On espère qu'elle vous aura plu. Et on ne reste plus qu'à vous dire au revoir, bye bye.